Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 16e épisode du montage de Lecto 1 Eagle Moss 1/8. Il s'agit donc ici de la 6e et dernière partie du 4e envoi. Voilà. Voici donc le blister. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu de ce blister. On regarde tout d'abord le fascicule avec une nouvelle photo de Lecto 1. Terrible. Ici, on a le descriptif des pièces. Il y en a pas mal, mais pas tant que ça finalement. C'est cool. Ensuite, la phase de montage. Donc a priori, là, on va s'attaquer direct au Golgoth. Voilà. Oula! Ah ouais, non, mais là, on a même plus que ça, là. Vous voyez ce que je vois, là? Oh non, pas lui. Si, en fait, lui, je suis content. Je serais très content de voir cette partie monter. Ah, puis on met une roue. Fabulous. Génialous. Bon. Ici, Ernie Hudson. Terrible. Le monde selon Winstar. Excellent. Toujours plein de photos. Il doit y avoir pas mal de choses à lire qui doivent être super intéressantes. Mais comme toujours pareil, il faut avoir le temps. Donc encore un gros dossier sur un des acteurs principaux. Ici, les ragots. Et ici, la prochaine pièce qu'on verra ensemble, c'est-à-dire une nouvelle roue. Voilà. J'ai peur. Encore des tuyaux. Voilà, donc on va tout de suite à la page de montage, la première, voilà, et on va ouvrir ce Blimsters. Hop. Alors, plein de sachets de vis encore une fois. Je vais mettre sur le côté. Voilà. On a donc 6 sachets de vis différents. Et ici, oh non. Vous voyez ce que je vois? Horrible. Horrible. Donc, ah non, 7. 7, je l'avais pas vu lui. Il s'agit donc ici de la suspension avant et de la direction, s'il vous plaît. Alors, il y a pas mal de petites pièces, mine de rien, là. Vous voyez? Ici, on a... Alors, il y a des petites pièces qui sont censées aller en dessous, ici. Qui vont être logés par des BP. Les BP sont ici. Donc 2 BP. Alors c'est la barre stabilisatrice, ils disent. Une. Et. Allez, allez. Et deux. Hippie. La voilà la fameuse barre stabilisatrice qui est en plastique. Donc je ne vois pas trop ce que ça va stabiliser, mais bon. Du coup, il y a un côté plus creux que l'autre, donc il faut faire gaffe. Je pense que les pièces qu'il faut mettre au bout sont celles-ci. Et ça va venir se loger là-dedans, comme ça. Alors, ça va pas être une mince affaire cette histoire. Le pire c'est que c'est du plastique et c'est pas super rassurant. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous comprenez grand chose à ce que je fais là. Il
une petite pièce en plastique en fait qu'il faut venir visser en dessous. Voilà pour une. Ce qui est pratique, c'est que les pièces ont le même design d'un côté comme de l'autre, donc c'est pas trop compliqué ici. Oups. Hop. Ce qui est compliqué en fait, c'est de maintenir les pièces ensemble pendant qu'on visse. Forcer trop parce qu'avec le plastique comme ça. Donc maintenant il faut aller chercher le Golgoth déjà. Vous voyez. Hop. Et il va falloir loger ça. Que je regarde attentivement. Alors déjà il faut des BP également. D'accord, donc. Il va falloir loger ça dans ce sens, comme ceci, avec des BP. Ok, ok, ok. Ça va être pas mal ça, je le sens. Hop. Alors. D'abord les positionner. Voilà. Et il faut du coup faire en sorte que être facile cette histoire. Ça c'est un truc pour les gauchers. Il m'arrive parfois d'avoir deux mains gauches, mais quand même. Alors ça va. Autant vous dire que là, ça tourne dans le vide. Et celle-ci. Voilà. Et bien celle-ci tourne dans le vide également. Mais bon, on a installé la barre stabilisatrice. Ok pour ça. Ensuite, alors il faut mettre ici. Ah, parce qu'en fait la barre stabilisatrice doit venir glisser a priori ici. Et ben alors on va venir visser dessus des binômes. Des BM. Il s'agit donc de ces deux pièces là. Vous voyez, et on a une petite coche ici hein, qui correspond à ça en fait. Là, un clips. Voilà. Il y a un clips dans un sens. En fait, comme c'est la même pièce, ils ont fait le clips dans l'autre sens pour celui-ci. Comme ceci. Et du coup, on va visser les BM dessus. Là, on est vraiment dans le fignolage de la grosse installation qu'on a fait dans les deux épisodes précédents. Voilà, 4 BM. Hop. C'est parti. On va déjà les placer, je pense. Voilà. Voilà pour une.
fait, c'est celles qui sont de l'autre côté, moi, qui vont me gaver, je sens. Voilà, pour deux. Pour deux, j'ai dit. Allô, allô. Voilà. C'est là que ça se complique. Normalement. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Idem pour celle-ci. Alors, du coup, maintenant, on va visser ça, on va serrer, hop, ok. 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 Et ici, pour terminer. Voilà. Donc là, j'avais peur au niveau de l'accessibilité, mais a priori, on est bien. Excellent. Piou. Cool. Donc, ensuite, on va faire... Oula. What is that? Alors là, il va nous falloir une KM. Donc, il nous faut cette pièce-là. Vous voyez. Il nous faut... cette pièce là, déjà on va mettre la KM dessus. Ah non, ce n'est pas cette pièce là, autant pour moi, c'est celle-ci. Voilà, tac, et on va mettre ça comme ça, et la KM donc vis à tête plate va venir ici. Oups. Alors, vu que c'est une tête plate, il vaut mieux la prendre avec la vis directe et venir loger ça ici. Voilà. Super, ce genre de pièce à visser. J'ai plus de pouce en fait. Non, on est bien. Et cette pièce là va venir se loger via une qu'est-ce que c'est que cette vis? Ah, une LM. Là donc du coup il faut retourner ça. Ça va venir donc là. Ah ok, et ça va rejoindre ensuite la barre de transmission. Enfin la barre de direction. Et donc on a dit que c'était une LM. Ou qui et donc après il faudra revisser par le dessus. Voilà. Voilà.
Et donc. Ah, elle vient se placer au-dessus de la barre en fait. D'accord. Ok. Ah bah fallait le savoir ça. Ok, donc ça ensuite ça vient se placer au-dessus. Et ça se visse avec une. Tadam. Une DM. Ok. Donc, on va mettre ça là. Et faut pas se rater, hein. Et là. Ok. Donc là. Oh. Peut-être qu'il faudrait desserrer un petit peu du coup. Ça, j'ai peut-être un peu trop. Voilà. Nickel. Impec. Ensuite. Eh ben, ensuite, on revient là. Hop. Et là, il y a une pièce à caser là. Et là, je pense qu'on va être sur la colonne de direction. Il va falloir les placer avec. Oula, il y a une DM et une LM. Là, il y a une feinte. On va commencer à poster ça avec la DM. C'est une belle pièce en métal en plus. Donc la DM. Bien, se mettre là-haut. Ça tombe bien, j'étais avec les DM. C'est cool. Ensuite, il y a une LM. Quand vous m'entendez pas comme ça, c'est que je suis super concentré. Un truc de ouf. Alors. Hop. Heureusement que vous voyez pas ma tête, hein, sinon vous marriez, vous rigoleriez bien. Franchement. Voilà. Ensuite. Alors ensuite. Ah, il y a une petite crémaillère à poser là. En métal. En métal, ça fait plaisir. Par contre, comment on. Alors là, je vois pas. Il n'y a pas de vis, c'est juste ça passe comme ça. Voilà. Donc elle passe comme ça. Et. Ah, ensuite, faut la retourner. Ok, d'accord. Je comprends. D'accord. Alors, hop. Punaise. Alors là, par contre, ça va être coton. Je le sens. Je me disais bien aussi qu'il y avait un cran. Voilà. C'était obligé qu'il y ait un cran. Alors, les. Essayez de faire ça d'une main. Oups, doucement, doucement, doucement. On en met une là déjà pour commencer. Et on va en mettre une deuxième là pour bien faire. Oh.
Comme je l'ai déjà dit hein, d'autres fois, c'est que le tournevis aimanté, des fois, c'est pas trop une solution. Donc, voilà, là tout de suite c'est mieux. Voilà, alors, normalement, maintenant, on enchaîne. Ah, ça va être sympa ça. Donc, il faut mettre ici ceci. Superbe. Une colonne de direction entièrement en métal. Par contre, ils disent bien qu'il faut mettre le trou vers le bas. 2 dm et 2 mm. Et ben. Alors les DM sont vers l'intérieur. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. 2 dm à l'intérieur. Voilà. Et 2 mm à l'extérieur. Alors, elles sont bien longues. Alors on est ici, ils ont dit qu'il fallait mettre la partie comme ça à l'intérieur, hein, enfin vers le bas. Sur l'intérieur, ça ne veut rien dire. Donc ici, désolé par contre si vous voyez pas grand chose, mais là c'est un peu forcé vu que je dois maintenir le truc en même temps là. Hop. Voilà, on peut mettre les DM à l'intérieur maintenant. Ceci. Bizarre. Rien, c'est un peu sport cette histoire. Voilà. Donc a priori là, on n'est pas trop mal. Ok, donc là. Bizarre hein, ça, cette espèce de clic là que ça fait, voilà, là, c'est mieux. Bon, je pense que au fur et à mesure, en plus il y a aussi le poids qui rentre en ligne de compte. En tout cas, voilà. Et donc là, vous voyez, regardez ça. On va poser le moteur. Truc de fou. Oh non, pas ça. Alors, il y aurait une IM de chaque côté et une LM. Donc je vais préparer une 2 IM. Hop. Voilà. Et une LM pour pouvoir placer ce sacré moteur. Que on va aller chercher. Ça faisait longtemps. Alors, du coup, faut le placer
essayer de le placer sans rien bouger. Alors vous voyez que là en dessous, là, les deux morceaux noirs là, qui dépassent doivent venir là, ici. Voilà. Et ça fait flipper. Ce qui fait vraiment flipper, c'est qu'il faut que je le retourne en fait. Et j'ai pas envie qu'il y ait quoi que ce soit qui bouge. Parce que là, avec ce moteur-là, j'ai tellement galéré. Hop là, voilà. Super. Bouge pas. Donc. Alors, ça serait ici, a priori. Et de 1. Je vous assure que je n'ai plus de doigts en fait avec ce tournevis là. Au bout d'un moment, ça fait un petit peu mal. Voilà. Ok, et on a la petite dernière qui vient se loger ici. Voilà, c'est mieux. Forcément. Yes. Et ben vous savez quoi, il y a des tuyaux à caser. C'est vrai que j'avais bien besoin de ça. Alors. Et voilà l'accès en plus. Oh non. En fait, je crois que j'aurais dû les mettre avant. Hein ? Bah oui. Eh ben. Aucun accès, aucune visibilité pour changer. Eh ben, je sais même pas comment j'ai fait. Horrible. Horrible. Juste horrible. À moins que...
Avec ma pince épilée, là, j'ai l'impression de jouer à Docteur Maboul. Eh ben écoutez, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait et je suis bien content. Ensuite, ah bah écoutez, on va installer la roue. Alors, quelle vis faut mettre? Une LM. Une LM. Ok. Donc, on va placer la roue comme il faut déjà. Et on va visser. Alors, apparemment, il faut mettre l'enjoliveur avant. Ok, alors par contre faut que je fasse attention à la valve. La valve qui elle est ici. Peut-être mettre avant. Du coup, je vais mettre ça avant parce que ça c'est assez minutieux. Ensuite, donc on va bien caler cette partie-là ici. Nickel. Ensuite, on va prendre la vis. Et on y va pour le dernier coup de vis de cette série de l'envoi 4. Alors, donc là, on aurait réussi. Cependant, la roue n'a pas l'air de tourner. Est-ce que si je desserre un peu, le problème c'est que si je desserre un peu, on va mettre le petit cabochon. Voilà. Et on a fini. Et franchement, je suis trop content. Et voilà, bah écoutez, c'est terminé hein, pour cette série correspondant à l'envoi 4. Voyez un petit peu là tout ce qu'on a accompli. Ça commence à prendre du volume. Alors, je me demande sincèrement comment on va faire pour la suite des opérations parce que ça va être de pire en pire, je pense. Mais on voit déjà un certain rendu. Juste terrible de voir le moteur là sur le châssis. On a déjà fait toutes les suspensions à l'avant, la direction là, vous voyez, en métal, là, tout ça c'est en métal. Le pneu, terrible. Sachant que le prochain, c'est le deuxième pneu. Hein. Alors, bien sûr, on ne parlera pas des tuyaux. Hein. Mais cette phase était très très intéressante. J'espère que ça vous a plu. Bien entendu, on va continuer, hein, donc restez connectés, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de rattrapage, donc les autres numéros vont bien entendu suivre. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.